Hey, salut, voilà, donc vous venez de voir l'unboxing. Alors je l'ai fait rapidement parce que c'est vrai que vous en avez vu, je suppose, si vous êtes intéressé par ce drone, vous en avez vu des tonnes déjà. L'unboxing donc du DJI Mini 3 Pro qui fait suite à mon Hotel Nano Evo Plus, Hotel Evo Nano Plus. Bref, si vous n'avez pas suivi ces vidéos-là, je vais les mettre ici. Hop, en fiche comme d'habitude. Alors donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il propose bien plus de fonctionnalités. Je voulais m'écarter un petit peu du DJI parce que il y avait des choses qui me rebutaient, qui me posaient problème. Et le Hotel avec son Nano Plus, c'était le premier sous les 250 grammes, 249 très précisément, qui permettait d'avoir quelques sécurités, quelque chose, une caméra bien meilleure avec une ouverture un peu plus importante qui permettait de filmer en faible luminosité, pardon. Et puis ça permettait également, je me fais un top juste ici pour mon iPhone et la caméra ici que je vous mets en incrustation, qui permettait également d'avoir le détecteur d'obstacles. Détecteur pour lequel je vous ai fait une vidéo lors de ma dernière vidéo de ce Nano Plus, puisque de toute façon je l'ai revendu. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre d'autre? Je vais vous montrer en fait la bête, donc qui est ici, vous voyez en incrustation, qui est donc ici. Alors comme je l'ai dit, hop, le focus se fait là. Comme je l'ai dit, l'envergure est bien plus grande du drone. Je sais pas si on peut s'en rendre compte, mais l'envergure par rapport au Nano de Hotel est bien plus grande. D'où, je l'ai peut-être dit dans la vidéo, mais je me répète, la résistance au vent qui est normalement du coup plus importante. Alors j'ai vu certaines vidéos des gens qui se plaignaient de ce cache. Eh bien, rassurez-vous, après avoir mis le cache du Nano Plus, elle n'est pas si merdique que ça. La caméra est pas du tout libre. Elle bouge très très peu ici. Là, je ne suis pas alimenté, elle est libre d'elle-même, mais je veux dire, elle a plus de résistance. Quand tu prenais le Nano Evo Plus, tu fais ça. Ça bouge dans tous les sens. Donc ton protection de gimbal est très compliquée à mettre. Alors que là, je bouge. Là, je fais ça. Ça va être le fake. Ça se prend en dessous. Si j'y arrive, alors là forcément tout me fait chier, c'est-à-dire qu'il y a un petit
Hop. Et hop, voilà. Ça bouge plus. C'est mis relativement vite. Alors, avec l'envergure, j'ai du mal à filmer sans bouger, mais voilà, vous voyez ici un petit cran. Là. Juste de tirer dessus. Tout simplement. Voilà. Franchement, je pense que c'est encore une fois une question d'habitude. Hop, tu fais ça. Alors, bien évidemment, elle se met pas peut-être correctement. Mais voilà, peut-être que d'autres accessoiristes changeront quelque chose. Mais moi, voilà, j'ai pas été déçu. Voilà, il y a bien mieux, mais encore une fois, ça fait le taf. J'ai pas encore pour l'instant des reproches à faire, puisque voilà, je viens juste de le recevoir. Question d'habitude, hein, encore une fois, on déplie, on replie les hélices, les bras, comme on veut. Hop, voilà, et là, pareil. Donc, je pense que la mise en œuvre se fait de façon très rapide. Dans l'ensemble, encore une fois, à ce niveau-là, je suis pas déçu. Ici, voilà, vous voyez, mise au point, j'espère qu'elle va se faire. Hop, voilà. Donc on verra dans les conditions de faible luminosité si je peux le faire, ben ça je vous le ferai. Quoi dire d'autre? Mais il n'y a pas grand-chose à dire pour cette présentation rapide. Si, si, peut-être, voilà, encore une fois, le défaut, si on peut dire que c'est un défaut, il faut que le drone soit dans son logement. La batterie soit dans le logement du drone pour voir la quantité de batterie qui reste. Ça, effectivement, ça peut être un petit peu gênant. Bon, voilà, c'est un petit défaut. Autre chose, comme le Nano Plus, vous voyez, je donne pas que des défauts sur le Nano Plus. Comme le Nano Plus, ici, on ne peut pas retirer la batterie si les bras ne sont pas dépliés. Vous voyez, il faut obligatoirement, hop, les deux en plus, hein. Voilà. Et j'appuie et je tire. Si je fais pas ça, je ne peux pas retirer le drone, tout simplement. Donc voilà, on peut dire que c'est un défaut. Je vous laisse juste. Moi, c'est mes premiers retours que je peux vous faire. Sinon, certains disent que le design du drone n'est pas exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là. Ça reste à être un objet qui va dans les airs. Donc, à partir du moment où il fait des belles images, j'ai pas de problème avec ça. Donc, voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette première vidéo. Je vais vous laisser avec la présentation du logiciel et la mise en place du logiciel. Et puis, eh bien, écoutez, voilà ce que je peux dire. Le DigiCare, je l'avais acheté, il se met en place avec l'activation de l'application sur la radio commande. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire. On va pas faire trop long pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ce que vous avez pensé de cette première vidéo de déballage, unboxing et présentation de l'application. Moi je vous dis à une prochaine, une bonne journée et puis tchuss. Allez, on se retrouve donc pour la présentation un petit peu des premières fonctions, en tout cas l'allumage de cette nouvelle télécommande. Donc, vraiment impressionné hein, par le modèle. Donc comme d'habitude chez DJI, on appuie une fois et on reste appuyé. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir toute la partie configuration. Il va falloir de toute façon que j'allume également le drone. Je viens de tout charger, hein. C'est assez long, on va pas se le cacher. Alors on va juger un peu de la réactivité, tout ça, de cet écran tactile. En tout cas, la définition elle est vraiment bonne. Très très lisible. Hop. Accepter France suivant, ajouter un réseau. De toute façon, je vais vous masquer tout ça. Allez, on a mis le Wi-Fi. On me demande hop, le fuseau horaire. Connexion avec ici, activer l'appareil, les informations de votre appareil sont liées à un compte, on va l'activer. Je ne veux pas rejoindre. Bienvenue. Alors on peut balayer de gauche à droite sur le bord de l'écran pour retourner l'écran. Retourner précédemment, effectivement. Molette de gauche pour l'inclinaison de la nacelle, molette de droite pour le zoom. Enregistrer, oui. L'obturateur, appuyer légèrement pour la mise au point automatique et appuyer. Alors, ça veut dire qu'on peut. Ah, d'accord, il y a un. Bah, comme sur un appareil photo, en fait, il y a une zone de mise au point et ensuite il y a le déclencheur. Ok, ça marche. Le RTH ici.
ou le freinage, oui, dès qu'on est en contrôle, puis on appuie dessus. Changement de mode ici directement, ça va permettre de gagner du temps. Ensuite, derrière les boutons paramétrables, le rouge fixe, appareil non connecté, connecté, jaune, mise à jour du firmware, échoué, ok. Ok, tout ça, c'est tout bon. Et il précise bien qu'il faut tout de même diriger les antennes qui sont intégrées maintenant à la radiocommande directement vers le drone. Ok. On en est où ici? Il est en train d'installer les fichiers. Alors, déjà, premier abord, très très agréablement surpris par de une la luminosité, de deux la définition et de trois la réactivité en fait du produit par rapport à l'écran. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre une protection. Ça reviendra ça plus tard. Là, tu pourrais à la limite regarder un film quoi. Sérieusement. Alors, en plus, il y a du son. Ça paraît tout con, mais je le savais même pas. Je sais pas si vous allez l'entendre. Vous l'avez peut-être entendu. Voilà, DJI Fly. Donc là, on va faire suivant pour autoriser tout ça. Amélioration, non. Alors, s'il vous plaît. Alors, moi, de toute façon, je suis déjà connecté. Voilà. Ok. Aucun appareil trouvé. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà l'allumer. Hop. Alors, on va bien lui ouvrir les bras, parce que de toute façon. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est pas un tuto, je fais pas tuto, ça m'énerve. Je suis désolé, je vous le dis clairement, je vous le dis cash. Bah, faut ouvrir le comme à chaque drone, normalement, je pense. Parce que quand vous mettez sous tension, il y a un minimum de, comment dirais-je, de rotation des moteurs. Un tout petit, enfin vraiment minime. Mais voilà, si vous voulez pas abîmer les moteurs ou quoi que ce soit, je préfère moi ouvrir un petit peu. Voilà. Les bras pour justement laisser le. L'axe libre des moteurs. Voilà. Vous avez peut-être vu, voilà, vous voyez sur la caméra en fait, on vient d'entendre le petit son. La caméra gimbal qui vient de se mettre, pas en route, mais qui vient de se. Hop, voilà. Donc, on va voir s'il le trouve. Voilà. Activer l'appareil. Oui, je veux l'accepter, je veux l'activer. Il y aura peut-être une mise à jour. Alors, je vous ferai un bilan, mais c'est vrai que d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il est plus imposant que le Nano Plus. Ça, c'est sûr. Alors, je vais en parler, hein, pendant mes vidéos comparatives. Je ne l'ai plus, mais bon, on en reparlera plus tard. Mais il est plus imposant, donc forcément, déjà, on ne peut pas incriminer ça à Autel. Mais dans tous les cas, forcément, sa résistance au vent, allez, c'est un peu logique qu'elle soit meilleure. Ça, activer DJI Air Refresh. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais, le DJI Air Refresh, je l'avais, comment dirais-je, acheté, enfin, acheté lors de l'achat du drone. Donc je l'avais pris en même temps, on va voir s'il me donne l'activation directe, s'il le voit. Donc normalement DJI sait que j'ai le key refresh, succès de l'activation. Voilà, tout est fait directement. Nickel. Là je ne sais pas à quoi ça sert. Une mise à jour. Ok. 1 giga. C'est parti. Encore une fois, alors toujours dans mon esprit de comparaison, les mises à jour sur le DJI, l'Autel, c'est une tannée. C'est, mais alors d'un compliqué, mais en plus, c'est hyper long. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour cracher sur Autel avec son Nano Plus, mais j'en ai quand même été assez déçu. De ce que je vois, là, j'ai pas fait test, vous voyez, je fais ça avec vous. De ce que j'ai vu, l'Autel semble avoir un piqué plus comment dirais-je, plus important,
mieux défini, piqué d'image. Après le reste, bien évidemment, on verra, on jugera sur place. Mais en tout cas, le piqué semble le plus important. Donc voilà. On en discutera. Moi, je prends le temps de faire cette mise à jour, pardon, et je vous récupère après. Allez, redémarrage. Je pense que la mise à jour est terminée. On va voir ça tout de suite. Très honnêtement, ça se fait relativement vite. Si vous avez un bon réseau Wi-Fi, ça permet de télécharger rapidement. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudra faire un partage de connexion entre son téléphone et la télécommande pour pouvoir accéder aux cartes? Ça, c'est une bonne question que je vous... à laquelle je répondrai lors de mon premier test. Et voilà, on y est. Alors, pas de carte SD, c'est pas bien grave, on s'en fout. Donc, vous voyez, on peut faire le focus ici en fonction, effectivement. Est-ce que ça marche également ici avec la télécommande? C'est ça. Ok. Alors, signal GPS faible, tu m'étonnes. Donc, le mode normal. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, de toute façon, je pense que je le ferai en, comment dirais-je, directement depuis le spot où je vais faire mon premier vol. Parce que de toute façon, il va falloir passer par. Vaut mieux pas que j'appuie là, hein, parce que là, c'est décollage dans le bureau. Ça peut donner lieu à quelques soucis. Alors, sécurité, contrôle, caméra, transmission, à propos. Ok, on va juste regarder s'il n'y a pas des mises à jour. Normalement, non. Et base de données ici, non plus. Après, pour les batteries, je pense qu'il n'y en a pas. J'ai pas l'impression. Bref, ça, au niveau des paramètres, je vous ferai une vidéo plus tard, un peu plus détaillée pour voir un peu toutes les, tous les éléments qu'il peut y avoir, toutes les caractéristiques que propose cette radio commande.